Bonjour, c'est Dominique. Alors là, moi, je commence un nouveau projet. Je suis très, très, très excitée parce que j'ai réussi à voir, grâce à mon amie Maria. Hola, Maria. Muchas gracias. Lo aprecio. Mucho, mucho. Little girl de Stampéria. Elle a réussi à le faire commander dans une boutique ici, dans ma ville. Alors ça, c'est Maria, mon amie qui habite près de chez moi. Et puis, elle dit, quand je vais à cette boutique-là, si j'ai besoin de quelque chose, elle me commande et le trouve. Moi, je ne le trouvais pas nulle part. Je le trouvais, elle m'a dit, à un prix exorbitant. Alors, le jour où j'ai vu cette collection dans une vidéo sur YouTube, j'ai tenté de la chercher. Tout de suite, je suis tombée en amour avec parce que c'est vraiment mes couleurs, un petit rose, un peu corail, et le brun et le beige. Ça, c'est vraiment mes couleurs pour bébé-fille, petite-fille, etc. Et puis, j'ai cherché, puis je ne trouvais pas nulle part. Je me suis dit, ben là, ils viennent de sortir, puis il n'y en a déjà plus nulle part. Je ne comprenais pas. Alors, Maria me l'a eu. Je suis très, très, très contente. En plus, elle me l'a offert en cadeau de Noël, imaginez, deux blocs. C'est incroyable. C'était vraiment un des beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, en cadeau de Noël. J'en ai reçu d'autres, mais c'est un des plus beaux, finalement. Alors, c'est pour ça que je suis si excitée, parce que ça fait plus que 6 mois que j'ai vu, parce que je crois que c'est sorti au mois de février ou mars 2020, cette collection, Stampéria Little Girl. Ils ont fait Little Boy aussi, mais moi, je voulais vraiment le Little Girl à cause du rose. Et puis, alors ça fait un petit peu plus que 6 mois qu'il existe. Et puis, je le trouvais plus nulle part. Incroyable, incroyable. Alors, je vais vous montrer. J'ai deux blocs, comme vous voyez, parce que moi, j'aime bien avec Stampéria travailler avec deux blocs, parce que souvent, ben, vous savez, avec Stampéria, on a des papiers qui sont imprimés des deux côtés, mais qui ne sont pas la même chose. Alors, on a juste une feuille de chaque. Ce qui fait... Ah, ici, on voit, c'est la même chose, presque. Ils ont gardé les mêmes bordures aussi. Alors, ce qui fait que souvent, on a un dilemme à savoir qu'est-ce qu'on va choisir de chaque côté, qu'est-ce qui est vraiment notre préféré. Alors, peut-être qu'ici, on choisirait ceci. Puis, l'autre côté, bien, vu qu'on a plus d'unis, on pourrait aller avec ça. Ici, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant de l'autre côté? Peut-être pas, etc. Mais bon, souvent, on a un dilemme. Alors, j'aime bien avoir toujours deux collections. Et puis, souvent, il me reste quelques papiers. Puis, je peux faire un petit livre ou quelque chose. J'aime beaucoup faire des petits livres, vous savez, avec des petites interactions, des rabats, etc. Petit livre compact, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, peut-être c'est ce que je ferai avec le reste, s'il n'en reste pas beaucoup. Alors, je vais vous montrer rapidement, parce que vous les avez certainement déjà vus, ce sont des papiers magnifiques. J'ai vu beaucoup de présentations dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, en russe. Alors, pour les papiers, alors je vais vous les montrer. Alors, moi, ce que je trouve qui est bien ici, c'est que quelqu'un qui voudrait utiliser tout ça, il a déjà les bordures, tout ça, mais moi, si je veux couper ça ici et toutes les couper séparément, tous les petits motifs ici, je peux les utiliser autrement, différemment. Alors, c'est ça qui est très bien. Alors, on peut soit utiliser au complet avec toutes les bordures ou les couper et puis les réorganiser autrement sur nos pages. Alors, ça, c'est très joli avec les cœurs et puis il y a parfois des petites boucles comme ceci. Alors, moi, j'ai remarqué dans la collection que la petite fille en question, elle commence petite et puis à un moment donné, elle devient plus grande. Alors, j'ai pensé de faire... peut-être en ordre de voir dépendamment du motif de la petite fille ici, à savoir si elle est plus grande, mais je la mets plus loin dans l'album. Alors, un petit peu comme chronologique, finalement, pour quelqu'un qui a une petite fille, puis elle est plus bébé, puis elle grandit. Alors, vous voyez ici encore de jolies bordures, encore ici. Alors ici, on n'a pas vraiment, ils n'ont pas fait le travail de mix média, comme on voit souvent avec Stampéria. C'est correct. C'est beau aussi, mais peut-être pas dans un thème comme ça de petite fille. Alors ici, on a des cerfs, on a des cœurs, des fleurs, cheveux albertins, il y en a deux. Alors, puis l'autre côté, c'est juste uni. Alors si moi, je vais en prendre juste quelques-uns, je ne les veux pas tous, ben j'ai le côté l'uni avec les pois que je peux utiliser. Alors ici, encore un pois comme ceci, l'arrière comme ceci. Alors ici, on a des cartes. On voit qu'elle est plus grande ici. Alors moi, je vais faire une page. D'ailleurs, je vais ajouter des points de croix avec les différentes étapes. Alors, peut-être pas un point de croix par page, mais peut-être qu'il y en aura deux ou trois. Alors, quand elle était plus petite, puis quand elle est plus grande, alors peut-être une journée spéciale, comme ici, Special Day. Alors, peut-être qu'il y en aura une journée spéciale si jamais elle est invitée à un mariage, elle est bouquetière, ou ça peut être aussi une première communion, ou quoi que ce soit. Puis, il y aura une page aussi, vu qu'il y en a plusieurs, des petites filles comme ça, avec ses amis. Alors, ça sera peut-être des photos de ses amis. Puis, il y aura peut-être les petits carnets, il y aura... peut-être 4 carnets avec 4 petites filles différentes sur le dessus. Et puis, elle promet des photos de ses amis à l'intérieur. Puis ici, ils ont mis des petites étiquettes trop mignonnes. Puis l'arrière, ici, vous voyez, c'est comme ça. Alors moi, quand j'ai deux blocs,
si je veux faire une petite carte qui a l'arrière comme ça, bien, je peux prendre les deux blocs complètement. Donc, probablement, c'est ce que je vais faire. Je vais sûrement utiliser tout ça dans le premier album, avec les deux feuilles, la feuille de l'autre bloc, parce que je voudrais vraiment avoir les deux côtés. Et puis, bon, pour ce qui est des amis, tout ça, je ne ferai pas ça dans un petit livre. Alors, ce sera plus général, peut-être, avec les papiers qui restent dans un petit livre. Lui, j'adore. Les couleurs avec le brun et le rose, c'est ce que je préfère. Puis, en plus, c'est des pois. Vous savez que j'aime beaucoup les pois. Il y a des rayés piqués comme ça que j'aime beaucoup. Un peu comme la Roller Shutters, avec les petits pointillés. Les petits carrés comme ça que j'aime beaucoup. Et puis, les drapeaux. Ce sont toutes des choses que j'aime. Alors, ce papier-là est vraiment mon préféré. Alors, je n'ai pas encore choisi qu'est-ce que je vais mettre sur le dessus. Je sais qu'il va y avoir un shaker avec une des cartes. Vous allez voir, parce que là, les cartes, je les ai découpées. Je vais les montrer après. Parce que là, elles ne sont plus dans l'album, dans le bloc, c'est-à-dire. Alors, il y aura une carte avec un shaker. Puis, vous allez voir, les pages sont assez spéciales. Vous avez vu, de toute façon, hier. Moi, je ne les ai pas fait encore. J'espère que ça va fonctionner. Mais de toute façon, vous allez avoir vu quand même qu'est-ce que j'ai réalisé hier dans le dévoilement. Alors, ici, des petites fleurs, encore des bordures. Ici, la petite fille. Bon, ça se trouve être la même qu'on a vue tout à l'heure. Et puis dans la section des quatre petites filles. Ici, on a la même chose presque. Alors ici, les cœurs sont foncés, ici, ils sont blancs. Puis on a toutes sortes de petites bordures, trop jolies. Je vais tout découper. On a la même chose de l'autre côté. Je crois que c'est en vis-à-vis. Non, c'est pas le même. Encore des fleurs ici. Même chose. D'autres fleurs. Alors, on a trois modèles de fleurs. On a celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'aime beaucoup. Ici, toutes sortes de petits cercles à découper, des petits cœurs à découper si on veut, mais bon, je ne pense pas les découper. Non. Puis on a ça derrière, une autre fleur. Là, on a quatre fleurs, quatre modèles de fleurs. Puis ils ont primé. Alors, ils disent 10 feuilles, il y a 10 feuilles, mais plus les couverts de la collection qu'ils ont imprimés d'un côté. Alors, on a 10 feuilles imprimées de deux côtés, plus deux feuilles imprimées d'un côté. Alors, ça, c'est. Puis en plus, j'ai remarqué que ce qu'ils ont imprimé, habituellement, ce qu'ils faisaient dans les couverts du bloc de la collection, le premier et le dernier, se trouvaient des répétitions de ce qu'il y avait déjà dans les feuilles. Alors là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent vraiment un nouveau motif pour les intérieurs de couvert. Donc, ça nous fait plus de motifs encore. Puis là, ben moi, j'ai déjà découpé parce que j'avais besoin pour préparer ma première page, des petites cartes, je vais vous montrer ici. Alors, il y a 6 petites cartes, puis elles sont aussi, vous voyez, l'autre côté, imprimées comme ceci. Alors, celles-là aussi, probablement, je les prendrai peut-être pas toutes. Oui, ça, il faut que je les prenne toutes, mais je ne prends pas de l'autre côté. Parce que j'ai besoin pour faire les pages spéciales. Alors, j'ai 6 cartes comme ceci. Alors, peut-être que je prendrai dans les autres cartes l'autre côté si j'ai besoin. Alors, moi, j'avais pensé que coller ça sur un papier cartonné, mais faire une incision ici et ici, faire des petites pochettes. Et puis, ne coller que le carré du fond. Ensuite, coller seulement en U les petites pochettes. Ou peut-être juste comme ceci, ceci. Qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. Alors, c'est ce que je voulais faire avec ces petites cartes. Là, vous voyez, les bébés, puis à un moment donné, elle est plus grande. Mais là, voyez-vous, on ne les a pas ici. C'est sur l'autre feuille quand elle est plus grande. Parce que là, j'en ai 6 ici, mais j'en ai besoin de 2 autres. Parce que moi, je vais faire 4 pages et j'en ai besoin de une de chaque côté des pages, donc 8. Plus, alors, vous voyez, on a les 3 ici, elle est plus grande. Plus une dernière qui va être le shaker sur le dessus. Alors, je n'ai pas choisi encore lequel serait le shaker. Soit ça ou ça. Un des deux. Parce que le cheval de berçant, on l'a dans d'autres cartes aussi. Alors, ça serait trop de répétition. Alors, peut-être que j'aurai un des deux. Mais je verrai. Je n'ai pas décidé encore. Vous avez vu. Moi, je n'ai pas décidé. Alors, ça, c'est le matériel pour ce qui est du papier design. Voilà. Je mets ça dans mon classeur. Vous voyez mon classeur. Hein? Je le montre à l'occasion. Tout est déjà installé. Alors, j'ai mes cartes ici. À chaque fois que je vais couper des cartes, je les mets dans un compartiment pour ne pas les perdre. Ça, c'est autre chose. J'ai mes papiers design ici. Ici, j'ai mes papiers unis. Alors, j'ai toutes sortes de papiers ici. J'ai des beiges, des roses, plus ou moins foncés. Puis, j'ai acheté aussi un bloc. Alors, chez Michaels, pour ceux qui sont au Canada. Alors, ici, fiez-vous pas à cette couleur-là. La couleur n'est vraiment pas la même. Mais elle est ça, la couleur. Puis, c'est exactement la couleur des papiers. Alors, si je prends une petite carte. Parfois, on a la même couleur. Vous voyez, le même beige ici. Pas toujours la même couleur, mais ça va avec. Regardez, on a le même ici. Alors, ça vous montre qu'on le revoit à l'occasion dans les papiers. Alors, j'ai cette couleur-là. Ensuite, j'ai... Alors, lui, non, je ne le prends pas. Il est trop jaune. Alors, j'ai ce rose ici qui est exactement le même rose que la collection. Et puis, j'ai
le rose qui est plus foncé. Alors, j'ai deux couleurs. J'ai ce rose-là et lui, plus foncé, qui est exactement la même chose aussi. Si jamais je veux utiliser du foil, mais il n'est pas vraiment la bonne couleur. Il est comme cuivré. Ça, c'est trop orange. Ça ne va pas avec. Et puis ça, si jamais je manque de papier, j'ai ça ici qui peut être peut-être l'arrière de l'album. Alors, j'ai 8 feuilles de tout ça dans ce bloc. Alors, utilisez un coupon, ceux qui vont, parce que c'est pas dans les papiers que... dont on n'a pas, qu'on ne peut pas utiliser de coupon. Alors, j'ai un coupon de 30% là-dessus, parce que sinon, c'est 30$. C'est très cher. Mais bon, il y a 48 feuilles. Voilà. Ensuite, j'ai des papiers de base. Alors ici, j'ai du papier 300 grammes. Alors, si vous avez 225, 200 même, et plus, ça peut aller. Parce que là, ça, c'est la couleur Dove White, ou White Dove plutôt. Alors, colombe blanche. Toujours Recollections chez Michael, ceux qui me regardent, qui sont au Canada. Et puis les autres sont des papiers 176 grammes. Même chose pour ça ici. Si j'ai besoin de lui, je ne pense pas en avoir besoin parce que j'ai les autres grands 30 par 30. Alors moi, je vais. Là, je me suis mis 40 feuilles de côté. Je ne pense pas avoir besoin de plus que ça parce que, bon, mon album ne sera pas si gros que ça. Alors ça, c'est pour mes papiers. Les papiers unis, ben, ils ont au moins une quarantaine de feuilles, certainement. Ici, j'ai des petites découpes que j'ai trouvées, qui m'ont été offertes. Attends qu'elle finisse. Alors ici, j'ai des petites découpes qui m'ont été offertes en cadeau, en joyeux courrier. Alors j'ai tout sorti ce qui pourrait aller. Lui, peut-être pas. J'avais sorti ça hier soir, puis c'était sombre un peu. Mais les autres ici, là, je crois que ça fonctionne bien. Lui, peut-être trop blanc, je sais pas. Parce que j'utilise du crème, alors je pense que c'est bon. Et puis un peu de ce beige brun. Et puis le rose ici est le bon aussi. Alors, et puis j'ai ces petites étiquettes, je trouve trop mignonne. Alors je mets ça de côté. C'est ce que j'ai recueilli ici, le petit papillon. C'est ce que j'ai recueilli dans mes... Toutes mes découpes. Alors, je vais tenter de décorer avec ça. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai. Vous avez vu mon gros bac de dentelle et de ruban. Alors, je suis allée fouiller dans mes réserves, puis j'ai sorti tout ça. Alors, j'ai tout plein de rubans. Alors, j'ai choisi des pas trop roses. Peut-être que hier, c'était un petit peu un peu sombre, puis non, ça va bien. Pour que ça soit pas rose trop flash. Lui, ici, un peu de doré, je le trouve vraiment joli. J'en ai d'autres ici avec du argent. J'ai des choses comme ça parce qu'on peut mettre un papier ici, comme ceci. Alors, on peut mettre coller derrière un papier. Regardez, ça fait des petites perles. C'est joli, hein? Je suis certaine que ça va bien rester, ça. C'est bien cousu. Bien collé, je sais pas. Cousu. Mais c'est tout cousu. J'ai ça ici que j'avais en joyeux courrier, qui sont exactement les bonnes couleurs. Regardez. Ça, c'est parfait. Puis, j'ai lui aussi que j'ai reçu un joyeux courrier que je trouvais qu'il était vraiment bien. Alors, je vais voir si je suis capable de faire des boucles. Ah oui, il est assez mince. C'est parfait, ça. Alors, il y a une petite bordure rose. Lui, il est comme beige un peu. Alors, ça va être très, très utile. Je vais en utiliser beaucoup pour fermer. Et puis, j'ai des petites choses comme ça, des petits glands. J'ai des petits rubans minces. Ensuite, j'ai des dentelles. Alors, j'ai des appliqués comme ceci. Je peux découper là où je veux. Peut-être pour décorer des pochettes. Ici, lui est peut-être un peu trop jaune. Alors lui, je pense que je vais l'enlever. Parce qu'hier, je ne voyais pas bien avec la lumière. Lui ici, il était très joli. Peut-être que si je mets juste une épaisseur, ça ne sera pas si jaune. Alors, je vais voir. Peut-être un peu trop jaune. Et puis, les autres, ça irait. J'ai des perles comme ceci. Petite dentelle. Puis j'en ai une élastique ici que je voudrais garder parce que j'avais sorti celle-là, mais je pense que je vais aller sortir. J'en ai de la blanche aussi. Pour faire des pochettes. Alors, faire des bandes, on peut mettre des choses derrière, un petit cahier, quelque chose. Alors là, c'est sûr que j'ai tout plein d'idées. C'est pas dit que je vais faire tout ça. Mais ici, j'ai un petit ruban rose aussi. J'ai ça ici qui est bien joli, qui est juste la bonne couleur. Parce que dans la collection, il y a du blanc, mais il y a aussi du petit beige. Alors, c'est pour ça que je veux aller pas trop blanc. Mais si j'ai besoin de plus de blanc, j'irai en chercher. Parce que je vois avec la lumière du jour qu'il y a plus de blanc que ce que je voyais hier soir. Alors, peut-être que j'ajouterai du blanc aussi. Alors, c'est le matériel. Ensuite, ben, j'ai une perforatrice ici, peut-être, que j'utiliserai avec des cœurs. Je me suis sorti une boîte avec des attaches parisiennes. Alors, j'ai des vertes, quelques brunes et des roses qui sont exactement le bon rose. Alors, j'ai mis ça ici. Une ruban adhésif à deux faces, perforatrice en coin. Et puis, bon, c'est à peu près tout. De toute façon, s'il y a des choses, vous allez voir au fil du projet, et puis si jamais vous ne l'avez pas, ben, si vous avez, dites-le moi, puis je vous trouverai peut-être une alternative pour autre chose finalement.
Vous pouvez aller trouver vous-même si vous avez l'habitude et vous êtes un petit peu expérimenté, vous allez trouver des solutions. Alors voilà. Alors là, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. Est-ce que je voudrais peut-être vous expliquer un peu la page, la base de page. Alors là, je vais faire quelque chose de spécial. Alors, je ne vais pas faire un album trop conventionnel. Alors, vous voyez ici, calcul. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors moi, j'ai commencé par calculer ici 7 pouces et demi plus 1 pouce. Donc, ça fait 8 pouces et demi. Je vais sortir ma règle. Je vais vous donner en centimètres aussi. J'ai 8 pouces et demi ici. Ce qui donne... Alors, j'ai 21,5 cm. J'ai 0,7, là, mais bon, 0,5, ça peut aller. La hauteur que j'ai ici, c'est 16,5 ou en centimètres, ou 6,5 en pouces. Okay. Alors là, j'ai ça pour tout de suite. Et il y a plus ici, parce qu'on va aller chercher un petit peu de hauteur. Ensuite, à ma ligne de 7 pouces et demi ou de 19 cm, parce que c'est ce que j'avais tracé au départ, ensuite j'ai ajouté ce bout-là. Alors à partir de là, moi j'ai calculé la largeur d'une carte plus un bon 2 mm ici, ici et ici. Au moins 1 mm. 2 mm, ce sera encore mieux. Parce que ça va être collé sur une petite pochette. OK? Ça va ouvrir. La pochette va s'ouvrir comme ça. Alors ça va être comme ça. Chaque page va avoir ça. Alors un côté comme ça, l'autre côté, ça va être comme ça. OK? Même chose. Et puis, je voulais garder le reste ici. Alors, je me suis fait une ligne approximative ici, alors, en biais. Vous allez ici, vous voyez, je suis partie de 6 pouces et demi, puis je me suis rendue à 7 pouces et 8. Alors, je suis partie de 16 et demi, puis je me suis rendue à 18 cm jusqu'à la carte. Alors, faites-vous 18 cm ici jusqu'à la carte. Vous avez tracé ici, et puis la ligne ici continue jusqu'à 2,5 cm ou 1 pouce. Passez ma ligne de base. Alors, moi, je vais découper ça. Et puis, ça va être le dessus de ma page. Et puis, l'autre côté, je vais avoir la même chose, plus une couture en bas et sur ce côté-ci. Alors, l'attache à la tranche va être ici. Okay? Si vous voulez, vous pouvez l'avoir de l'autre côté. Ça revient au même. C'est juste que moi, je voulais vraiment que mon album, parce que le couvert de l'album va suivre la forme de ça ici, en plus haut. Alors, ça va faire un couvert qui n'est pas rectangulaire ou carré. Okay. Alors, on va suivre ça. Vous allez l'avoir vu. Voilà, comme ceci. Si jamais je fais des changements parce que ça ne fonctionne pas, je vous le dis. De toute façon, vous allez avoir vu. Allez voir le dévoilement. Vous allez voir exactement ce que j'ai fait finalement. Alors, vous taillez ça tout le tour ici. Ne coupez pas celle-là. Ne faites pas de ligne de pliure. C'est juste un repère. Alors, vous coupez tout le tour ici, comme ça. Et puis l'autre, alors vous en faites 4 comme ça. Puis vous allez en faire 4 avec une couture de 1 cm ici et une couture de 1 cm ici qu'on ajoute. Okay? Alors, vous pouvez le faire à l'aide droit ici, c'est correct. Ça va être parfait, le biseau va être fait automatiquement. Alors, moi, je vous reviens avec ces morceaux déjà pliés, c'est-à-dire tout taillé avec les lignes de pliure ici et ici, qui correspondent à ceci. Okay? Et puis, on va coller ensemble, je vais vous assembler les pages. Alors, 4 comme ceci et 4 avec 1 cm ou 1 demi-pouce ou 3/8 de pouce ici de plus. Ici et ici. Ici, c'est la tranche. Ici, c'est le haut qui va avoir une carte. Alors, la carte va dépasser ici pour qu'on puisse aller la prendre. Alors, elle va être droite, la carte. Elle va dépasser ici. OK? Alors, je vous reviens avec ça demain. Préparez ça. Et puis, ensuite, on va commencer à faire nos petites enveloppes. Peut-être qu'on les fera en même temps. Petites enveloppes ici pour les pochettes, finalement. Pour nos petites cartes, si vous avez ces petites cartes-là. Vous avez une collection de Stamperia, qui soit une autre collection. On a toujours des cartes comme ça. Alors, vous pouvez faire le même style d'album, la même forme de page, finalement, avec n'importe quelle collection de Stamperia, parce qu'on a toujours ces cartes. Puis même du Graphique 45 a des cartes du même format. Alors, c'est des 14,5 par 9,5. En plus, c'est 5 3/4 par 3 3/4. Je croyais que c'était 4 par 6, mais c'est plus petit parce que il y avait une bande de papier blanc entre chacune, comme vous voyez, qui était la même largeur tout autour, qui fait que ça prenait, c'était un petit peu plus petit finalement. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain, et puis je vais en assembler, je vais assembler les trois, puis je vais en faire une avec vous, puis ensuite on va commencer à faire les interactions très simples, parce qu'on veut se garder de l'espace pour faire des belles décorations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté cette bande ici, parce que quand ça ici, ça va ouvrir,
comme ceci. Okay? Je ne voulais pas que ça arrive sur le bord de la page. Je voulais qu'on ait un espace pour soit mettre des bordures décoratives ou des dentelles ou des rubans, quoi que ce soit. Vraiment un espace décoratif ici. Ou si vous voulez, ça peut être un espace journaling, mais je pense que ce serait mieux d'avoir vraiment, pour ne pas être limité juste à cette forme-ci. Alors, ça me donne une belle bande de 1 pouce ou 2,5 cm pour mettre des belles garnitures. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain. Alors, à tantôt. À demain. Bye bye. Merci.